Ok, alors bonjour, on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed. Alors comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a un mercenaire. Voilà, alors j'étais en train de faire des photos tranquillement avant de continuer à jouer. J'étais sur la plage en train de faire des photos avec Icaros, etc. tranquillement. Et là d'un coup j'entends tu es donc là, la Mystios à l'aigle. Et il y a un méchant qui m'a attaqué. Du coup voilà, on va commencer par ça. J'ai pas joué, c'est ma première. En plus j'ai changé d'arme. Je fais aucun dégât. Ok, ça va être compliqué. J'ai pris des dagues aussi, pour je voulais les essayer, mais pas contre lui. Oh, le combo que j'ai fait. Je comprends pas quand il attaque en fait. Mes dagues sont trop courte portée pour... Il me faudrait un bâton. Je me soigne. Oh, le soin par contre c'est cheaté. Je vais essayer de changer de truc. Est-ce que je peux changer d'arme en plein combat? Alors j'ai appris un truc aussi, c'est qu'on pouvait changer. On pouvait changer les. Ah je peux pas. Accentuellement indisponible. On pouvait changer les apparences et tout. Genre là si. Pardon, attends, ce sera plus visible avec ça. Pourquoi j'ai ça? Ah oui d'accord. Ah c'est. Ah oh, ça c'est lourd par contre. Ça j'avais pas compris. En fait, on peut changer. Vous voyez le casque là? Normalement, je suis censé ressembler à ça là. Là, je suis censé ressembler. Ah merde. Bon, bref, normalement, je suis censé avoir ce casque, mais j'ai mis comme quoi il apparaissait pas. Mais pourtant, j'ai quand même les boosts que ça m'offre. Donc, ça, c'est très cool, je trouve. C'est pareil, le. Ça là, normalement, c'est une tenue que j'aime pas, physiquement. Mais je l'ai changé en mettant un ancien physique. Et du coup, c'est vachement cool. Ça, c'est vachement cool. Comme procédé. Il est combien de niveaux de plus que moi lui? Olé. Tu es trop lent. J'ai peut-être pas de portée, mais. Au moins, je suis plus rapide que toi. Mais je suis vraiment difficile là parce que j'ai pas l'impression. Ouf! Oh, le petit esquive. Il y a le garde là qui se bat, le garde là qui nous laisse faire. En même temps normalement je suis avec lui donc...
Va pas dans l'eau par contre. Tu vois le mec là devant moi? Je vais finir comme lui. Tu es fort. Fort. Oh attendez, là c'est bon pour faire une photo là, non? Attendez, ça vaut bien une petite photo ça. Ah ça vaut qu'une petite photo, bon. Je vais pas faire le de focus etc, mais bon, ça vaut bien une petite photo. Voilà, bon, je peux commencer ma vidéo. Bonjour tout le monde. Ouvrir le menu des mercenaires. Merde. Attendez, j'ai même pas vérifié si mon micro est allumé. Oui, oui, tout ça c'est bon. Ok, parfait, ben voilà. Ouvrir le menu des mercenaires. Métépos, livrogne, métépon. Métépon aimait deux choses dans la vie, boire et se battre. Il ne brilla jamais par son talent, mais parvint toujours à être victorieux. Sauf cette fois-là. Beaucoup disaient que les moires veillaient sur lui. Mais d'autres évoquaient un type d'être différent. Poison. Ah. Ah ok, on peut voir là, d'accord. Pourquoi j'ai un truc là? Picatos le voyageur. Ok. C'est qui lui? Pourquoi on me dit Picatos le voyageur est un demeuré. Est demeuré une énigme, pardon. Il se joignait souvent à d'autres pour manger et boire afin. Mais sans dire un mot. Son regard restait fixé sur l'horizon comme s'il songeait à sa prochaine destination. Il cherchait manifestement quelque chose, mais personne n'a jamais su de quoi il s'agissait. Certaines attaques peuvent réduire l'endurance de la cible. Oh non. Augmentation des dégâts au corps à corps. Ouh. Il va être chiant lui. Et ça c'est quoi? Échelon 7. Non découvert. Il est dans une arène, lui. C'est ça, c'est un gladiateur. D'accord. Bref, je vous expliquais. Genre là, normalement, je suis censé ressembler à ça. Voilà. Normalement, ça, c'est mon stuff. Sauf qu'on peut changer comme je veux. Ça se trouve, le casque, je peux faire en sorte que ce soit un voile. Voilà, tout simplement. Je peux juste changer l'esthétique. C'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Donc, voilà, je lui mets. Je sais même pas si j'ai un meilleur truc. Avec un meilleur. Ah oui, attends, j'ai 7 meilleurs. 5 dégâts d'assassin, probabilité d'ignorer la moitié des dégâts. Oh. Une seconde de durée toxique. Ah. Ah. Regardez ça. Voilà, c'est pareil, ça normalement ça ressemble à ça. Mais j'aime pas, du coup j'ai mis que ça ressemblait à ça. Voilà. C'est tout con mais c'est bien. Franchement ça c'est, je trouve ça vachement cool. Bref, du coup... souvenez-vous, on est en Mégaris, on doit tuer notre père. Et je dois donc gagner Mégaris pour lui, pour pouvoir m'approcher de lui. Donc il faut faire des trucs, il faut tuer des soldats, il faut voler le trésor national, il faut brûler des équipements, etc. Donc on va faire tout ça, on va un petit peu visiter. On va commencer par une quête annexe qui est ici. Et c'est parti. Donc normalement les Perses, c'est les Perses, ça on est d'accord, vont me laisser tranquille, normalement. Normalement. Indice relatif à des mercenaires. Certains mercenaires ont sur eux des informations relatives à des collègues. Récupérer ces documents révélera leur identité. Ah d'accord, c'est pour ça que j'avais débloqué... T'es un méchant toi? Attends. Non voilà, toi t'es de quoi? Ok, eux ils me laissent tranquille du coup. Mais si je les tue, je vais me faire tuer. D'accord, allez. Et vu que je suis dans un camp perse, autant ne pas faire de bavure, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux leur voler des flèches, etc.? Ça par contre, ce serait utile, vous voyez. Bonjour. Il n'y a pas des convois? Dans Origins, je me souviens qu'il y avait des convois en mode... Il portait de l'or, etc. C'est peut-être un éclaireur de standard. Je vais étriper tous les Athéniens qui ont avoir des ennuis. Saleté de lâche. Leur... Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi ça te regarde, Mystios? Tu sais quelque chose sur tout ça? Je suis dans ton camp.
Je suis une professionnelle. Et une amie. Ah oui? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'avais fait ça, j'aurais eu au moins le bon sens de cacher les preuves. C'est vrai. Faut être idiot pour faire une chose pareille. Laisser des traces comme ça, un peu partout. Ou alors, il s'agit d'un message. C'est Stentor qui m'envoie. Pour aider ceux qui en ont besoin. Stentor t'a envoyé? Sparte ne contrôle pas tout Mégaris. Pas encore. Il y a des lieux que je peux rejoindre plus facilement qu'à Spartiate. Les Athéniens se sont montrés plus résistants que prévu. Mais ils ne peuvent rien... Contre Sparte, oui. Je connais le refrain. Mais en attendant ce jour de gloire, il faut découvrir ce qui s'est passé ici. Tu en as une petite idée? Pas encore, mais ça va venir. Je devrais m'approcher pour savoir ce qui est arrivé ici. Ce sont des soldats de métier qui ont été massacrés. Ça m'étonnerait que ce soit l'œuvre de bandits. Du fromage de chèvre. Oh, on peut prendre du fromage. La cargaison a disparu. Ils ne peuvent pas être loin. Ils ont laissé les chariots. Oh, pauvre cheval. Il est où, cheval de droite, au fait? Apparemment, ils sont allés par là. Dans la forêt. Il n'y a plus rien à trouver. Je devrais aller faire mon rapport. Suivre la quête. Alors, c'était des Athéniens? J'ai trouvé des fragments d'un cristal vert. Des bandits, alors? La guerre les rend insolents, et ces montagnes ne manquent pas de grottes. Si c'était des Athéniens, ils auraient utilisé les chariots pour le transport. Et des bandits n'auraient eu aucune chance face à des soldats spartiates. Alors, à ton avis? Je me demande. Les coupables sont entrés dans la forêt. Autant commencer par chercher là-bas. Ouais, la nourriture se trouve aux grottes au sud-ouest du tombeau de Terré. Mais pourquoi ils m'aident? Les cristaux proviennent du sud de la forêt occupée de... Ah voilà, on va utiliser Senu. Enfin Senu. Icaros. Les voilà. Bon, merde, elle voit des trucs... Il voit des trucs hors... qui sont pas dans le champ de vision, mais... Il y a un coffre ici. Ah. Tombe de Terré. Quoi? Bonjour. Pas ça. Dégage. Oula, niveau 8, lui, par contre. C'est bon. Tuer 50 animaux prédateurs. Ok. 20, d'accord, j'ai n'eu que 20. C'est tout? Tablette ancienne, d'accord. Tombe de Terré. On peut dire que... il a été enterré. Pardon. Du coup... Quelqu'un cuisine près d'ici. Ouais. Je vais prendre mes épées. Enfin non, j'ai une autre arme à essayer. J'ai plus ce que je voulais essayer comme arme. La hache, je crois. Ouais. On va essayer la hache. Je suis pas fan des haches en général, mais
Bonjour. D'accord, ok, c'est juste pour dire qu'ils sont là. Ah, une hache en intérieur, par contre, c'est pas très intelligent, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une fête privée ou tout le monde est invité? Comment? Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, va-t'en! Vous n'avez pas l'air de meurtrier? Quelle erreur ont commise les sorcières? Quoi? Non! Attends! S'il te plaît, tu ne comprends pas! Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Tout ça me paraît très clair. Pitié! Laisse-moi plaider notre cause! Tu ferais mieux de rendre les vivres. Et de me dire pourquoi je ne dois pas vous tuer. Je t'en prie. Je vais te dire ce que tu veux savoir. Vous n'êtes qu'une minable bande de voleurs. Par les dieux, non! Nous vivons à Megara. Cette guerre nous a déjà valu tant de malheurs. Je t'en prie, accorde-nous ta pitié. Comme vous avez eu pitié des soldats spartiates. On a seulement pris des vivres. C'est Irkanos qui nous a donné la permission de les prendre. Il a dit qu'il nous faciliterait les choses. Irkanos? Oui, le mercenaire. Il a promis qu'il nous aiderait, qu'il nous fournirait des vivres, et que les Athéniens ne laisseraient pas le peuple mourir de faim. Ok. Expliquez-vous. S'attirer la colère des Spartiates n'est pas une bonne idée. Je t'en prie, nous ne sommes pas des voleurs. C'est le fruit de notre travail, ce sont nos récoltes. Ils l'ont pris sans rien nous laisser. Nos enfants meurent de faim. Et le meurtre, c'est votre vengeance? Quel bel exemple pour vos enfants. Non, non, je t'assure, crois-moi. Nous n'avons fait de mal à personne. Amistios nous a dit où trouver les vivres. Ils étaient déjà tous morts. Ah, d'accord, ok. Donc ça change tout. Ça suffit. Je ne suis pas là pour écouter des discours. Il est trop tard pour discuter. Je veux savoir qui est derrière ce crime contre Sparte. Écartez-vous, et je vous laisserai la vie. Je vais rapporter ces vivres aux Spartiates. Pour ça, il faudra nous passer sur le corps. Ne sois pas stupide. Prenez quelques vivres, de quoi tenir un moment. Je dirai que je vous ai tué et je rapporterai le reste. Ça leur suffira. Et nos familles? Que vont-elles manger? Si vous mourrez, vos familles vont mourir aussi. Alors acceptez mon offre et arrêtez de voler. La prochaine fois, vous aurez affaire à quelqu'un de moins gentil. D'accord, Mistios. Merci. Allez, prenez ce que vous pouvez et partons. Vite. Sympathique, d'accord. Pourquoi pas. Oh. Ah non, c'est du fer. Je pensais que c'était plus... Et que je ne vous revois plus. Hein. Pardon. Du coup, petite quête finie, terminée. Là, il y a le commandant, le représentant de Megaris, niveau 10. Il est bien protégé dans sa demeure en ville. Ça va être compliqué de l'avoir lui, donc je vais pas le faire de suite. Je vais plutôt remonter, je vais d'abord faire toute la partie nord, parce que c'est assez court. Enfin, court, c'est pas grand quoi. Donc on va passer par là. Et après on ira rendre la quête. Oui, ils n'ont pas cherché à se battre. Je n'avais pas très envie de tuer des gens affamés. Tu m'étonnes. C'est un mercenaire ça, oui. Oui, un mercenaire là. Pourquoi il y a un mercenaire là? Il est moins haut niveau que... Ouf, oh, il m'a fait un... Oh, ok, lui il est rapide.
Ok. Il est un petit peu trop rapide pour ma hache. Mauvaise idée ce que j'ai fait. Dégage, mais dégagez-vous! Qu'est-ce que vous faites? Putain, il m'a fait une feinte. Il me stresse à dire is tout le temps. Je suis à bout de souffle. Quoi? Bâtard. Reviens dans les plaines là, ouais voilà. Parce que les montées, j'aime pas être dans ce jeu. Il est trop rapide. Voilà. Ramasser, lance de bataille, etc. Pourquoi pas? Ok, bon, ben voilà. C'est un petit mercenaire. Ça fait deux mercenaires en une vidéo quand même. C'est un petit peu trop à mon goût là quand même. Mais bon, pourquoi pas. Viens vivre mortel, ok, bon ça on s'en fout. Ça je dois faire tout ça pour la quête principale. Ensuite. Ça j'ai débloqué un nouveau truc. Oh, oh putain, c'est jeune, j'avais pas vu. Niveau 9 il faut, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quoi j'ai dit? Oui. Alors la hache, j'aime pas. J'aime pas du tout la hache. Ouais. Est-ce que je peux changer son apparence? Comme ça. Je peux la mettre comme ça. Un pilum, ok. Ok. Ouais. Non. Oh, comme ça c'est sympa. Comme ça c'est un petit peu trop gros. J'aime pas quand c'est trop gros en fait le bout. Le pilum comme ça là il est sympa. Donc, comme ça c'est sympa ouais. Vas-y. Ouais, vas-y c'est sympa. On va garder ça pour l'instant. On va aller au point d'interrogation qui est là. On ira rendre la quête en passant ensuite. Et ah, ferme de Tripodisos. Ok. Tripodiscos. Pille les trésors, tuer les. Oh putain. Ok, c'est lui qu'il faut tuer. Il y a un trésor à récupérer. Et trouver l'Ostarson énigme. Qui doit être par là, j'imagine. Donc ça c'est le trésor et ça c'était le truc aurélien. Ah non. Ok c'est un méchant. Ah mais d'accord c'est un autre camp, d'accord. Voilà mais il y a plein de coffres ici. On va piller ce trésor et tuer ce méchant. Par contre niveau arc, j'ai pas d'arc très puissant. Hein. Je peux pas one-shot les ennemis. Un petit peu stressant mais...
Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Où est-ce que tu vas, toi? Ah merde, ils sont là. Des trucs à voler. Il a rien entendu, lui. Tout va bien. Ok, parfait. T'avais rien sur toi. Et l'ostrasson, l'ostre truc là, énigme, il est où? Ok, là-haut. Je me disais bien qu'il pouvait pas être loin. Lorsque tous les navires se ressemblent, il est difficile de se rappeler où on est amarré. Rejoins le rivage dans la forêt occupée de Tripodiscos et cherche un navire gardé par un chien. Tu me trouveras à l'endroit marqué d'un X. Forêt occupée de Tripo et cherche un navire gardé par un chien. Un navire gardé par un chien. C'est ça le... Ouais. Un navire gardé par un chien. Pagaille, c'est la pagaille ici. Ah mais j'ai le droit de venir ici. Ouais ok c'est. Gardé par un chien. L'endroit marqué d'un X. Navire gardé par un chien. Ça doit être une métaphore mais. Navire gardé par un chien. Un X, navire gardé par un chien. Ok, ça c'est notre navire. Oh putain, il y a un requin pas loin du navire. Il y a plein de requins à côté du navire. Oh putain, il y a un autre mercenaire, t'es sérieux là-bas? Oh là là. Il y a un autre mercenaire. Puis mon cheval de droite. On va rendre la quête et puis...
T'es un Athénien, toi, non? Pourquoi il y a un Athénien ici, là? À côté d'un Sparte, en plus. C'est suspect, tout ça. Si vous voulez mon avis. Tu te prends pour qui? Est-ce que tu as trouvé les coupables? J'ai trouvé tes vivres. Et un groupe d'habitants affamés. Et? Et tes hommes les avaient volés. Ces gens mouraient de faim. Bien. Nous avions besoin de ces vivres pour les troupes et pour chasser les Athéniens de Mégara. Des habitants affamés ne sont pas un problème. Mais il y a autre chose. Tu as entendu parler d'un mercenaire du nom d'Hyrcanos? Hyrcanos? Oui, à en croire les rumeurs, il travaille pour les Athéniens. Eh bien, c'est lui le coupable. Ah ça, les mercenaires sont des gens tenaces. Tu as bien agi, mais si tu tiens réellement à aider Sparte, j'ai une tâche à te confier. Qu'est-ce que tu as en tête? Traque-le. Montre-lui que Sparte ne laissera aucun mercenaire contrecarrer ses projets. Si c'est ce que tu penses des mercenaires, pourquoi m'envoyer? Pardon, mais ce Hyrcanos est une véritable épine dans notre pied. Il menace tous les Spartiates qui sont ici. Tu veux bien nous aider? Vas-y. Je vais m'en occuper. S'il est si gênant, j'imagine que la récompense est de taille. Bien sûr. Pense à tout ce qu'il aura sur lui, à toutes les drachmes qu'il a reçues d'Athènes pour nous nuire. Tu dois avoir raison. D'après toi, par où dois-je commencer? Il peut être n'importe où, mais je dirais près des Athéniens. Nous avons envoyé plusieurs patrouilles, mais elles ne sont pas rentrées, et je n'ai plus d'hommes à envoyer pour l'instant. C'est un Athénien derrière toi, je dis ça, je dirais. Parfois, il vaut mieux envoyer une femme. Qu'est-ce qu'Athénien? Oh, dégueulasse. Du coup, j'ai une nouvelle quête, c'est ça? Icaros, le rusé. Niveau 9. Icaros était un mercenaire au service d'Athènes, chargé de nuire à l'effort de guerre spartiate en Mégare. Sa maîtrise de la manipulation lui permit de travailler en coulisses d'autres, se chargeant des tâches matérielles. Ok. Ah, mais je peux le. D'accord, je peux le marquer. Ok, donc il est là. On va pas le faire de suite, je vais plutôt continuer de. On va explorer le nord là. Tout simplement. C'est deux petits points d'interrogation, puis j'arrêterai la vidéo là, je pense. Ça fera une minute. Une minute. Une heure. La traque d'Hyrcanos, ouais, blabla. Qu'est-ce que c'est ça? Temple en ruine d'Apollon. Tuer les chefs des brigands. Quoi? Ah, je peux le recruter lui, non? Ça veut dire l'Abdakos archer, ok. Temple en ruine d'Apollon. Enfin, je sais pas si je peux le recruter. Ça me semble logique. Vu qu'on me montre sa photo. Ah non, d'accord, ok. Oh, lui, par contre, je peux le... Lui, je vais le marquer, tu sais. Et ça, c'est un loup. Très bien. Apprivoisé ? Vraiment. Je dois rester caché. Je sais se servir d'une arme et n'a pas peur de se salir. Ça commence à devenir agaçant. Les oreilles commencent à se faire vieilles. Quoi encore? Un signal entre amoureux, peut-être. Oh! J'ai besoin de bras. Rejoins mon équipage. Ok. Bon, c'est pas très... Les recrutements, je vais pas les faire comme ça. Les recrutements, je vais les rendre un petit peu plus épiques parce que c'est...
moche, comme ça. Enfin, moche. Genre, c'est pas... Lui, par contre, il veut pas venir. Hein. Lui, c'est... ça fait 6 fois que je siffle, mais il veut pas venir. Ah, il m'a vu. Très bien. Donc le loup est avec eux. Très bien. Il est où? Ah non, c'est le loup qu'ils ont. D'accord. Poison. Je vais t'éventrer. Vas-y le loup, attaque. Joué. Non. Je veux pas te tuer, je veux pas te tuer. J'aurais voulu fuir lui. Totalement. Wesh frère. Ah mais non, t'es un gentil. Pardon, désolé, désolé. Quoi? Non, tablette ancienne, d'accord. La tablette est là. Et les trésors. Ok. Ah, j'ai foutu une flèche, le pauvre. Ah, mais c'est quand on tue des civils, d'accord. On a une prime sur la tête, d'accord, d'accord, d'accord. Tout abîmé. Oh, la pauvre dame. Oula, elle est dégueulasse. Ah non, d'accord, c'est un casque. Je trouve que c'était une dame qui avait pas chargé. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie de tuer des civils, moi, en fait. Du coup, qu'est-ce que je veux... Point d'interrogation, le prochain, il est... C'est quoi, ça? Sympa. Il est là, le prochain. Là-bas. On va y aller. Suspect cet endroit. Grotte du champ de bataille. Voilà. Bastracon et énigme. Attendez. On va cheater. Hein. J'aime pas les trucs sous-marins. On va cheater un petit peu. Je ne vois rien. Ok.
J'espère que j'ai assez d'air pour faire tout ça. Parce que là, je m'enfonce en fait. Totalement. Ah. Pierre précieuse. Ah, ok. Dans un endroit obscur, équipez-vous d'une torche. Ouais, je sais. Alors, il y a des pièges à cons, hein. Faut pas oublier ça. Moi, je m'en souviens. Franchement, là, j'hésite à passer en cauchemar, en fait. En difficulté extrême. J'hésite. Le jeu a pas l'air difficile, donc... Enfin, pour l'instant. Ou alors, c'est que j'ai une avance de niveau, mais... Des loups là. Quoique non, ils pourraient pas sortir. Donc. Ils pourraient pas sortir, c'est pas possible. Hache de pierre. Okay. Et une énigme. C'est trop dangereux dehors. Alors j'attends la fin de la guerre. Les seules fois où je quitte cette grotte, c'est pour remplir ma coupe. En sortant, je vais au nord-ouest du champ de bataille de la forêt occupée de... Tu me trouveras à l'hôtel des offrandes au pied du dieu du vin en personne. Okay. C'est qui le dieu... Merde. Oh, je vais être honteux, mais... Le dieu du vin, c'est... Dionysos ? Non ? Je sais plus du tout. Attendez... Attendez, je vais vérifier. Je suis obligé de vérifier. dieu du vin grec. Oh mais dieu du vin, ouais, Dionysos Bacchus. Ok, bon, bah c'était ça. Nord-ouest du coup. Pourquoi pas. Ah oui. Bon bah go. Ouais. Ah oh, c'est magnifique là, comme ça. Ouais, je fais des photos, il faut pas m'en vouloir. Au nord-ouest du coup de... Oh putain, il y a mercenaires encore. Ah mais c'est peut-être Radaclis là, je sais pas quoi. Nord-ouest du champ de bataille. Nord-ouest, ah c'est par là donc. Vas-y, on va y aller maintenant, comme ça sera fait. Il arrive totalement vers moi là. Les senteurs du printemps sont dans l'air. Ça me rappelle Sparte. Oh oh. Il arrive totalement vers moi. Niveau 6. Niveau 6. Niveau 6, mais viens vers moi, mon ami, viens vers moi. Il a cheval là, non? Non, okay, il n'est pas cheval. Pas maintenant, pas vous! Putain, les. Attendez, peut-être que le. Peut-être qu'il peut attaquer. Peut-être que les loups peuvent attaquer le mec. Là. Non mais pas, attaquez pas moi. Ouais vas-y. Vas-y bouffe-le. Vas-y bouffe-le.
le pauvre. Ah mais non. Vas-y le loup. Ta tête sera mon trophée. Vas-y le loup. Vas-y le loup. Oh, oh. Bon vas-y. Le berserk. La berserk. Ah merde, j'ai oublié de brûler les corps des autres. Ah merde, ah je suis désolé. Y'a pas du feu par là? Là-bas y'a du feu. Alors c'est à ça que ressemble la guerre. C'est différent de ce qu'on en dit. Megara, la capitale. Si le chef est quelque part, ce sera là. Attendez, je fais mon truc RP, ouais. Adieu, tu as été une vénérable combattante. Enfin, honorable plutôt. Ok, elle brûle. Je pensais que les fleurs autour brûleraient aussi, mais pas du tout. La capitale, est-ce que on la fait maintenant? Ouais, mais parce qu'il y a un mec là, il y a... Je vais pas la faire de suite, je vais d'abord aller là-bas. Dans cette... Ouais, on va y aller maintenant, on va y aller maintenant. Allez hop, go. Avance. Ok, bon, ça va, c'était pas... C'était pas très compliqué. Allez. Ah, je peux pas looter, très bien. J'adore. Bonjour. Oula. Une statue du dieu du vin, oui. Allez. Faut pas que j'oublie. Et aussi, il y a aussi un... Hey. Comment on appelle ça? Un trésor gardé par un chien. La colonne de Dionysos. Hein? Oh. C'est ça la colonne de Dionysos ou... Putain. Panormos, ok. Un petit village. Et où la statue de votre dieu là? Attends, je suis où là? Je sais même pas où je suis. Je suis là. Ah, ok, d'accord. Oui, ok. Là, c'est plus compréhensible. Ok. Et on peut recruter n'importe qui. Je peux recruter un prêtre. Pourquoi pas. C'est des méchants ou... C'est des méchants. Restez cachés. Ça a bugué, mais on a compris où on voulait en venir. Il est en train de manger un truc et du coup ça a bugué et le bol a bugué. Très bien. Tarif réduit, c'est trop dangereux. Ah ben voilà, c'est ça. Ah ok, c'était une tablette ancienne. D'accord. D'accord. Ok, ok. Bon.
Dionysos, enchanté. Et du coup, le prochain point d'interrogation, il est juste là, je crois, non? C'est quoi ça? Pourquoi il y a du feu? Quel est cet endroit? Ah ok, c'est... Non. Hein? Fausse référence. Naval. J'ai rien compris. Ah, et le point d'interrogation que j'avais vu, c'était ça. C'était Panamos. Ok. Bon, on va pas quitter Megaris pour l'instant. On va juste rester dans... J'aime pas quitter les régions dans lesquelles j'ai des missions. Donc, à moins vraiment qu'on m'éloigne trop, je resterai dans les régions que je dois faire, tout simplement. Du coup... Parce que c'est pas dans Megaris, on est d'accord. Je vais vérifier, mais... Megaris, c'est juste ça. Ok. Et donc là, c'est autre chose. C'est Beoti. Ok, oui. Ruine de Plataya. Okay. On va aller voir la ville et je m'arrêterai là. Et du coup, prochaine vidéo, on va commencer par le mercenaire. Tout simplement, le mercenaire... Oula. Oula. Oh, les pauvres cochons. C'est les Spartes qui ont fait ça? On tue pas des cochons, wesh! Pourquoi y'a un mec qui court là? Pas dans le jeu, hein. dans la vraie vie, je veux dire. Y'a un mec qui est passé devant ma fenêtre en courant en mode. Salut toi! Gardez. Ah, un navire gardé par un chien! Oh. Oh. Un navire gardé par un chien. Ah, peut-être ça. Le trésor. Je pense que c'est ça. Attends, mais t'es coincé toi, non? Allô? Hein? T'es totalement buggé toi. Donc comment on plonge? Attends, j'ai le bon bouton, ouais. Ok, d'accord. Lorsque tous les navires se ressemblent, il est difficile de... Ok, c'est ça. Un navire gardé par un chien, mais l'endroit est marqué d'un X. Ah, ça, d'accord, un X, ouais. Mais lui, là, comment on le sauve? Attendez, ça me fait de la peine, là. On peut pas le sauver? Oh, le pauvre. Attends, viens, mets-toi à une fenêtre. J'essaie de t'abréger tes souffrances. Vaut mieux que tu meurs plutôt que rester enfermé ici et mourir de faim. Oh le pauvre. Ah oh, c'est triste, ou alors c'est un bug, hein, mais... Bref. Du coup voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et ensuite on ira faire... On ira sûrement sur la droite là. Enfin ma droite à moi, oui. Je me rattrape comme je peux. Il y a un tableau d'affichage, il y a une blessure de travail, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Bref, on va voir. Et ensuite, on a une quête annexe. Donc, autant la faire. Ensuite, on ira voir le mercenaire qui doit être là. Ikranos le rusé. Hyrcanos, pardon. Bref.